Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, on va pas changer nos habitudes, on va se prendre une petite bière. Alors aujourd'hui la Dunuken, je connais pas du tout, une goutte blonde de 6,2 degrés. Et elle est brassée à Middelkerk. Franchement, je connais pas du tout cette bière. Tout est en néerlandais, donc Fris Kusbier mit in lekker smaker heute winnen. Donc dites-moi si vous avez compris ce que c'était. On va se goûter ça tout de suite les gars. Alors, comme vous voyez, la bière elle est bien blonde. Elle sent la bière, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Assez légère. Bref, on sent que c'est une bière. Mais elle casse pas des briques quoi. Elle casse pas trois pattes à un canard. Franchement, mais bon. Ça se boit. C'est pas tout ça, on n'est pas là que pour boire. Cette fois-ci, je voudrais vous proposer un Super Mario Bros 2. Mais pas la version qu'on a eu en Europe directement, la version qui était au Japon, donc le Lost World. Et parce que le petit japonais, ils ont dit que c'était un peu trop compliqué pour nous. On va essayer de terminer le premier niveau ensemble, et je pense que ça va déjà être pas mal. Donc World 1-1, j'ai 3 vies. Ça devrait le faire. Bon, déjà, essayer de récupérer le champipi. Voilà. Alors ça, c'est des saloperies parce que ce petit champignon-là nous attaque, mais il est nocif. C'est pas un champignon habituel, quoi. C'est pas un champignon super bon, voilà, quoi. C'est vraiment celui qui est là pour te faire mal. Donc voilà, les Japonais, ils ont fait celui-là, ils l'ont pas sorti en Europe dans un premier temps. Parce qu'ils ont dit que pour les petits Européens, ça va être beaucoup plus trop compliqué. Et effectivement, il est beaucoup moins simple que le premier Mario Bros qu'ils ont fait. Moi, j'ai connu quand j'avais la SNES, pas sur la NES. Sur la SNES, quand avec le Mario All-Star, hein, que beaucoup connaissent aussi. Alors ce jeu là, je le connais pas du tout. Ça peut se ressentir un peu, je pense. Je connais pas les passages secrets. Oh putain. Bon, une première mort bête. On recommence où? Ah, on commence pas depuis le début. Bon, il me reste encore 2 vies. Je pense que même à l'époque, je n'y ai pas touché à ce jeu. Je pense que j'avais essayé vite fait, bien fait, mais quand je me suis dit, tiens, il ressemble fort au premier Mario Bros, pourquoi je vais me casser la tête à jouer à celui-là, quoi. Alors lui, ça... Ah mince, j'ai été trop vite. Les trucs bleus, on penserait que c'est de l'eau, mais on peut pas y aller. Donc c'est un peu emmerdant, on meurt direct. Et là, voilà, nickel, on se casse. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Mince, je pensais pouvoir aller en haut pour aller plus vite. Et pour me faciliter la vie, hein. Allez, si j'appuie pas sur sauter, ça ira beaucoup moins bien, forcément. Voilà. Hop. Bon, je riche un peu, hein. Il n'est pas marqué que ce que je fais, je peux pas le faire. Hein. On a dit qu'on va essayer de faire, de finir le premier niveau. On va essayer de finir le premier niveau. Tranquillement. Hop. Voilà. Bien sûr, ils ont foutu, on se croirait dans Mario Maker, des poulpes volants, enfin chez Nain, mais... Voilà. Ah!
Il est chaud à mes fesses. Ah, une boule de feu. Ah, purée. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pas si compliqué que ça. Je transpire du cul quelque chose de phénoménal, mais ça va, c'est pas si dur que ça. On a connu des niveaux Mario Maker un peu plus compliqués, mais là, on est à la version japonaise de Mario Bros. Allez, au château. Hop, je fais le malin, mais... Attends, ça va encore. On peut pas se... Ah! J'ai parlé trop vite. Ah bien sûr, on se prend un coup, on est petit tout de suite. Hop. Voilà. Oh putain! Oh mais... Oh mais... Ça c'est con quand même. Bon, il me reste une vie. Ah, c'est vraiment con. Bah les gars, on va donner raison au petit japonais. Hein, j'ai pas été capable de finir le premier niveau, je suis mort un peu bêtement. Je vais vous quitter là, je vais pas faire le gameplay plus longtemps parce que je pense que c'est le jeu que vous pouvez trouver facilement sur d'autres chaînes sur YouTube. J'espère que ce petite vidéo vous a quand même bien plu. Moi je vous dis à la prochaine et... Salut Tchuss! Bisous câlin, au revoir et merci!